Ce mardi 29 novembre, l'aéroport international Léon Bas de Libreville a servi de cadre pour la simulation d'une opération sécuritaire de tous les opérateurs, à savoir les services administration, les opérateurs et acteurs de l'activité au sein et en dehors de l'aéroport. Un exercice dont l'objectif était de tester la sûreté et la sécurité de l'aéroport conformément à l'exercice général des plans d'urgence et de gestion de crise. Organisé par GESES Airport en collaboration avec tous les acteurs de la plateforme aéroportuaire, cette simulation a mis un accent particulier sur la gestion d'un incendie et la sécurité au sein de l'aéroport de Libreville. Pour les responsables de l'aéroport international Léon Bas, il fallait tester la réactivité des uns et des autres, vérifier la coordination des mouvements, des systèmes de communication internes et externes, relever les lacunes, évaluer et améliorer les procédures, les ressources humaines et les équipements. Cette opération entre dans les exigences de la réglementation aéronautique gabonaise en vigueur et l'organisation de l'aviation civile internationale. Il fallait valider ou améliorer les procédures mises en place pour gérer les différentes crises qui pourraient survenir d'une part et de familiariser les différents acteurs et le personnel avec la gestion des 10 événements d'autre part, a indiqué l'un des responsables de l'aéroport.